Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de Diaspo Sciences et Tech. Diaspo Sciences et Tech qui est une initiative de la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne, et avec une réalisation de Billy Prod TV. Pendant près d'un mois, nous avons été absents, mais aujourd'hui, nous revenons dans ce nouveau numéro avec deux grandes dames où nous allons discuter comme ça sur ce qu'elles font, le monde de l'entrepreneuriat, l'impact des langues maternelles dans le secteur de la science. Et naturellement, madame, messieurs, sans plus tarder, j'ai le plaisir de recevoir ici comme première invitée madame Muriel Ben depuis le Canada qui a accepté comme ça de qui a accepté notre invitation. Alors, Muriel Ben, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous nous recevez? Si oui, comment vous allez? Et est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de vous? Je vous remercie par vous remercier pour cette invitation aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Donc, je suis écrivaine. Et j'ai déjà eu à publier 3 œuvres. La première s'intitule « La dernière pluie ». Elle a été publiée en 2013 chez Edilivre.
Et la deuxième nouvelle s'intitule The Unruly Passenger. Elle est écrite en anglais et elle a été publiée en 2015 chez Édition Assemblage. Et enfin, en 2015, j'ai publié mon troisième roman qui s'intitule Un bond dans l'inconnu. Donc, actuellement, je travaille sur un autre projet littéraire et aussi je travaille sur un projet de service d'accompagnement à l'écriture créative. Je voudrais d'abord commencer par moi. Chez moi, en fait, le coronavirus, je l'ai vécu par plusieurs phases, en fait. La première phase, c'était d'abord de la curiosité. J'ai vu comment la maladie se répandait un peu partout dans le monde et au fur et à mesure que cela grandissait, l'inquiétude a commencé à me gagner. Donc, c'était plus, je m'étais mise en mode auto-survie, survie. Et aussi, j'avais, non seulement je m'inquiétais pour moi, mais je m'inquiétais aussi pour mes proches au Cameroun. En ce qui concerne mes compatriotes camerounais, je peux parler de mes amis proches. Il y a des parents pour qui le confinement a été difficile parce qu'il fallait à la fois gérer les enfants, être un employé et vivre sa vie de couple, en fait. Donc, c'est un moment difficile actuellement pour nous tous. D'entrée de jeu, je vous ai dit qu'on avait deux invités sur ce plateau. La première qui est Muriel Ben, qui vient de se présenter. La deuxième, c'est Nadège Akama, qui réside en Allemagne, informaticienne et exerce également dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vais plutôt lui laisser l'opportunité de se présenter également. Alors, Madame Akama, est-ce que vous êtes en ligne? Si oui, comment avez-vous traversé cette période de COVID-19 après votre présentation? Là, les Afro-descendants, les Afro-intéressés, à vous tous qui êtes connectés, je vous salue. À Bouingan, merci pour l'invitation, donc à la FOCAI et puis à Billy Prod. Présentation, donc je suis Kamanabella Akamba, il y a un B. voilà, je suis Camerounaise, je vis en Allemagne. Je suis maman de deux enfants, entrepreneur. Mais à la base, j'ai été formée comme informaticienne. Et depuis plusieurs années, j'évolue donc dans ce milieu entrepreneurial-là où nous développons des produits pour aider les familles à se reconnecter ou alors à vivre, à transmettre l'héritage afro-descendant à leurs enfants, en particulier les langues maternelles, ce dont nous avons seulement parlé tout à l'heure. Alors, COVID-19, comment nous avons vécu, comment j'ai vécu le COVID-19? D'abord, au début, un peu d'incrédulité, c'est-à-dire qu'on se demandait, oui, mais est-ce que c'est pour une grippe qu'on fait autant de problèmes? Bref, ça avait l'air invraisemblable. Là où nous avons commencé à lire l'heure, comme on dit au Cameroun, c'est lorsque nous avons vraiment entendu les gouvernements fermer les frontières. C'est à ce moment-là que vraiment on est entré dans la réalité de la chose, quoi. Mais jusqu'à un certain moment, c'était un peu, on était un peu incrédule parce que voilà, il paraît que cette grippe-là, enfin la grippe saisonnière, elle fait plus de victimes et pourtant on n'en fait pas tout un plat comme on dit. Donc finalement, on s'est retrouvé dans le confinement. On a essayé surtout au niveau de l'entreprise de ne pas entrer en mode survie parce que c'est souvent ça la tentation. Et puis d'essayer de pivoter parce que quand on est en mode, quand on est avec ce coronavirus, il y avait plein de produits qui ne passaient plus, donc il fallait rapidement pivoter sur autre chose. Et c'est un peu ça qui nous a occupé, quoi. Alors merci, on espère, nous sommes très ravis de vous savoir que vous êtes en santé, que vous vous portez très bien. Alors pendant les journées, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes entrepreneur et Oui. pendant les journées de la VKII, nous étions du côté de Berlin
il y a de cela pratiquement 2 ans. On vous a rencontré et on a fait une petite vidéo de vous que je vais laisser nos téléspectateurs déguster avant de revenir. D'accord. Mbolo Meyegaya Mela, je suis Kamana Bella Akamba, je suis mère de 2 enfants, informaticienne de formation et il y a 3 ans, j'ai créé la plateforme keleina.com. Keleina.com, c'est en fait une plateforme qui s'est donnée pour mission d'accompagner, d'aider les jeunes afro-descendants et les Africains à se reconnecter à leur culture ou alors à rester connectés à leur culture, surtout quand on parle de la diaspora. Alors comment nous faisons ça? On met à la disposition de ce public-là des produits de tous les jours, mais auxquels nous aurions insufflé une âme africaine. Et c'est quoi? C'est nos langues, c'est nos manières de manger dans notre culinaire, c'est notre histoire. Donc, lorsque j'étais étudiant, j'ai remarqué qu'il y avait un besoin des afro-descendants et des Africains qui vivent à l'étranger, mais aussi ceux du Cameroun, de rester connectés à leur culture, même s'ils évoluent dans un milieu qui ne respire pas forcément cette culture-là. Donc pour la petite anecdote, donc, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en train de regarder un film, voilà, à ce moment on était encore étudiant, et il y a un de nos compagnons qui, à la fin du film, nous a demandé « Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce genre de grand film pour des personnalités africaines ?» Et l'un de nous a répondu qu'en fait, ce serait parce qu'il n'y a aucun, il n'y aurait aucun personnage noir de cette carrure, et donc que ça ne valait pas la peine de faire ce genre de film. Et à l'époque là, c'est une réponse qui m'a marquée et qui donc plus tard, lorsque j'ai fini mon cursus universitaire, donc et que on a commencé à penser à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était devenu un besoin pour nous, n'est-ce pas, de mettre en avant les figures positives de l'Afrique. Alors, pourquoi les langues africaines tiennent une place importante dans les produits que Keleina propose? Très simple, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement en dehors de soi-même. C'est-à-dire que même si nous parlons français maintenant, anglais et peut-être, on ne sait jamais ce qui va arriver d'autres langues, nous savons que nos sources se retrouvent dans les langues africaines. Donc il est important pour nous de nous échanger avec le reste du monde dans les langues internationales, mais il est important de rester connecté à sa culture pour que les fruits de nos efforts profitent aussi à notre culture, à nos pays et à nos communautés. Et puis la langue aussi, c'est le vecteur à travers lequel on crée. Toute création commence par la langue. Donc si nous n'employons pas nos langues, si nous ne les utilisons pas, nous allons toujours créer pour les autres. Alors, Keleina, présentement, c'est une plateforme avec plus de 100 produits qui inspire, n'est-ce pas, la positivité africaine, qui parle de notre histoire, de nos langues et de notre manière de vivre. D'abord, une plateforme qui est en ligne, dont vous allez sur notre site keleina.com, www.keleina.com, et là, vous avez un shop en ligne dans lequel vous avez la possibilité de passer vos commandes qui sont livrées selon que vous êtes en Allemagne ou alors en Europe ou alors au nord, au nord de l'Amérique. Par exemple, un produit qui est très, très, très prisé, ce sont les filtres solaires. Les filtres solaires Mimi Nyanga. Et Mimi Nyanga, c'est qui? C'est un personnage que nous avons créé justement parce que nous avons eu ce besoin-là de positiver et de représenter la positivité des petites filles africaines et métisses. Esthétiquement parlant, c'est très beau. Ce sont des pièces qui nous rappellent au quotidien généralement quelles sont nos origines, d'où nous venons. Et on peut aussi constater que le design est vraiment africain. Donc ça permet à ce qu'on puisse montrer qu'on est fier d'être africain, qu'on est fier de nos origines et de ne jamais l'oublier. Moi qui suis au travail, je trouve que c'est un calepin assez atypique parce que vraiment, avec ces petits africains, c'est une façon de m'affirmer et dire que je suis fier de mes origines.
ne pourront pas t'arrêter. Ça permet de consommer aussi africain et de pouvoir aussi encourager les entrepreneurs africains aussi acheter des produits venant de chez nous. Alors bien sûr, sur ce chemin-là, nous ne l'avons pas fait seul. Nous avons par exemple la FACAI qui nous a beaucoup soutenus dans cette démarche entrepreneuriale. Nous avons l'IHACA de Nuremberg qui aussi nous a beaucoup soutenus. Et bien sûr, presque toutes les organisations afro-descendantes ou africaines du Mittelfranken avec lesquelles nous travaillons beaucoup et qui sont vraiment d'une aide précieuse dans l'avancée du projet Kelina. Mbolo Meye Gayamela, je suis Kamana Bella Akamba, je suis mère de deux enfants, informaticienne de formation et il y a 3 ans, j'ai créé la plateforme Kelina.com. Kelina.com, c'est en fait une plateforme qui s'est donnée pour mission d'accompagner, d'aider les jeunes afro-descendants et les Africains à se reconnecter à leur culture ou alors à rester connectés à leur culture, surtout quand on parle de la diaspora. Alors comment nous faisons ça? On met à la disposition donc de ce public-là des produits de tous les jours, mais auxquels nous aurions insufflé une âme africaine. Et c'est quoi? C'est nos langues, c'est nos manières de manger dans notre culinaire, c'est notre histoire. Lorsque j'étais étudiant, j'ai remarqué qu'il y avait un besoin des afro-descendants et des Africains qui vivent à l'étranger, mais aussi ceux du Cameroun, de rester connectés à leur culture, même s'ils évoluent dans un milieu qui ne respire pas forcément cette culture-là. Donc pour la petite anecdote, donc, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en train de regarder un film, voilà, à ce moment on était encore étudiant, et il y a un de nos compagnons qui, à la fin du film, nous a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce genre de grand film pour des personnalités africaines? Et l'un de nous a répondu que, en fait, ce serait parce qu'il n'y a aucun, il n'y aurait aucun personnage noir de cette carrure, et donc que ça ne valait pas la peine de faire ce genre de film. Et à l'époque là, c'est une réponse qui m'a marquée et qui, donc, plus tard, lorsque j'ai fini mon cursus universitaire, donc, et que on a commencé à penser à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était devenu un besoin pour nous, n'est-ce pas, de mettre en avant les figures positives de l'Afrique. Alors, pourquoi les langues africaines tiennent une place importante dans les produits que Kelina propose? Très simple, nous sommes convaincus que il n'y a pas de développement en dehors de soi-même. C'est-à-dire que même si nous parlons français maintenant, anglais et peut-être, on ne sait jamais ce qui va arriver, d'autres langues, nous savons que nos sources se retrouvent dans les langues africaines. Donc il est important pour nous de nous échanger avec le reste du monde dans les langues internationales, mais il est important de rester connecté à sa culture pour que les fruits de nos efforts profitent aussi à notre culture, à nos pays et à nos communautés. Et puis la langue aussi, c'est le vecteur à travers lequel on crée. Toute création commence par la langue. Donc si nous n'employons pas nos langues, si nous ne les utilisons pas, nous allons toujours créer pour les autres. Alors Kelina, présentement, c'est une plateforme avec plus de 100 produits
qui inspire, n'est-ce pas, la positivité africaine, qui parle de notre histoire, de nos langues et de notre manière de vivre. D'abord, une plateforme qui est en ligne, dont vous allez sur notre site kelena.com, www.kelena.com, et là, vous avez un shop en ligne dans lequel vous avez la possibilité de passer vos commandes qui sont livrées selon que vous êtes en Allemagne ou alors en Europe ou alors au nord, au nord de l'Amérique. Par exemple, un produit qui est très, très, très prisé, ce sont les filtres solaires, Miminyanga. Et Miminyanga, c'est qui? C'est un personnage que nous avons créé justement parce que nous avons eu ce besoin-là de positiver et de représenter la positivité des petites filles africaines et métisses. Esthétiquement parlant, c'est très beau. Ce sont des pièces qui nous rappellent au quotidien généralement quelles sont nos origines, d'où nous venons. Et on peut aussi constater que le design est vraiment africain. Donc ça permet à ce qu'on puisse montrer qu'on est fier d'être africain, qu'on est fier de nos origines et de ne jamais l'oublier. Moi qui suis au travail, je trouve que c'est un calepe assez atypique parce que vraiment, avec ces petits bricoles, c'est d'une façon de m'affirmer et dire que je suis fier de mes origines. Donc laquelle ne pourront pas t'arrêter. Ça permet de consommer aussi africain et de pouvoir aussi encourager les entrepreneurs africains aussi acheter des produits venant de chez nous. Alors bien sûr, sur ce chemin-là, nous ne l'avons pas fait seul. Nous avons par exemple la FACAI qui nous a beaucoup soutenus dans cette démarche entrepreneuriale. Nous avons l'IHACA de Nuremberg qui aussi nous a beaucoup soutenus. Et bien sûr, presque toutes les organisations afro-descendantes ou africaines du Mittelfranken avec lesquelles nous travaillons beaucoup et qui sont vraiment d'une aide précieuse dans l'aventure du projet Kelena. Alors, madame, monsieur, merci. On espère que vous avez apprécié ce très beau reportage. C'est lors de la journée entrepreneuriale qu'organisait la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais du côté de Berlin. Nous y étions, nous avions eu le privilège de recevoir comme ça un interview de madame Nadège Akama. Alors, madame Akama, vous avez regardé le reportage, vous avez vu les interventions des gens qui étaient sur les lieux, qui ont essayé de regarder vos produits, d'apprécier. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le sentiment que vous éprouvez de savoir que vos produits, il y a de cela 2 ans, étaient déjà prisés sur le marché allemand? Mais oui, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, pour un entrepreneur de voir, pour un entrepreneur de voir ce qui est né dans un petit bureau, dans quatre murs, qui est sorti peut-être d'un ordinateur de votre esprit, et de voir comment ça prend forme et comment ça sert à d'autres personnes. En fait, c'est ça le but ultime de l'entrepreneur. C'est que ce concret trouve, n'est-ce pas, preneur et que ça aide d'autres personnes dans la vie de tous les jours. C'est notre objectif. Alors, madame Ekama, vous avez mis ce projet. Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce monde-là? D'un coup, quel a été le hic là? Oh là là, ça va être long. Mais on va faire court. Ça s'est fait en deux phases. Si on parle de Kelena, donc Kelena, ça veut dire viens redécouvrir, n'est-ce pas? La richesse de tes traductions, c'est en langue bétis. Ça vient de Kelen qui veut dire partir, donc partir à la découverte, et puis Yen qui veut dire voir, regarder. Et donc, en fait, c'était plus par frustration. Vous avez vu que beaucoup d'entrepreneurs se lancent sur le marché parce qu'ils cherchent des produits qu'ils ne trouvent pas. Et voilà, ils se retrouvent à
comment on va dire ça, à fabriquer ou alors à monter eux-mêmes ce qu'ils ne trouvent pas sur le marché. Donc, c'était le cas, même si ça a commencé avec des maisons comme ça, mais au final, on est parti, par exemple, avec Mimi Nyanga, qui est l'un de nos best-sellers. Mimi Nyanga, en fait, c'est une ligne de produits que nous avons fait pour les enfants. On va dire quoi, de 0 à 12 ans. Et qui est devenu justement l'un des best-sellers. Et l'histoire derrière Mimi Nyanga, derrière le lancement de Mimi Nyanga, c'est juste que... Une fois, ma fille rentre de l'école, elle a peut-être 4 ans comme ça. Et puis, elle me dit, voilà, on leur a demandé de faire un dessin à l'école. OK. Donc, elle avait déjà commencé le dessin. Et puis, elle s'assoit donc sur la table pour finir le dessin. Et au moment où elle fait son dessin, elle était censée dessiner une princesse. Et puis, pendant qu'elle dessine la princesse, la princesse qu'elle dessine est censée être elle, parce que la plupart du temps, les enfants prennent l'exemple sur eux. Mais en fait, le dessin ne lui ressemblait pas. Donc, je lui demande, c'est qui la dame, la fille? C'est elle avec des cheveux blonds, avec des yeux bleus, en fait, des attributs qui ne correspondaient pas à ce qu'elle était. Et à force de lui demander, il faut changer ton dessin parce que ça ne ressemble pas à qui tu es. Vous savez qu'on aime bien dire à nos enfants qu'ils sont beaux tels qu'ils sont, qu'ils sont beaux avec leurs cheveux crépus, qu'ils sont beaux avec leur peau noire et tout. C'est ça que je répétais souvent à ma fille. Sauf qu'il y avait un détail que je ne maîtrisais pas, c'est qu'entre dire quelque chose à quelqu'un et lui montrer, il y a une différence. Et donc, à un moment donné, ma fille n'est pas d'accord avec moi. Elle trouve que son dessin est bien comme ça. Et puis, elle se retourne vraiment, genre 4 ans, elle me dit, maman, les princesses sont comme ça, elles sont blondes, elles ont les yeux bleus. Et c'est une phrase qui m'a tellement déchirée, qui m'a tellement... Pour dire la vérité. Et c'est en fait au sorti de cette frustration-là que Mimi Nyanga est née et puis Kelena était en train d'être lancée. Donc, voilà un peu l'histoire derrière le lancement de Mimi Nyanga et Kelena. Et puis, voilà, ça fait... Kelena a fêté ses... 8 mai, donc ça fait quelques jours. Et voilà, on a lancé quelques promotions justement à cette occasion-là. Et ça fait vraiment plaisir de voir... comment justement quelque chose qui a commencé avec une frustration finit par rendre le sourire à d'autres enfants afro à travers le monde. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir dit les raisons qui vous ont poussé. Et déjà, je souhaite à Billy Prod et toute son équipe ainsi que la VKII vous souhaite un joyeux anniversaire parce que ça fait 5 ans que vous existez comme vous venez de le mentionner. Nous allons aller du côté du Canada. Nous avons Muriel Ben, qui est également deuxième invitée sur ce plateau, qui est écrivaine. Alors, Muriel, toi qui nous écoutes et qui es à ton troisième ouvrage, quelles sont les raisons qui t'ont poussé? Sinon, ton premier ouvrage, c'est déjà quoi? C'est La dernière pluie, si j'ai bonne mémoire. Et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à commencer à écrire? En fait, merci pour cette question. Je voudrais d'abord revenir à l'histoire du premier roman en disant que ce roman-là est né aussi d'une curiosité. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai étudié au Cameroun et après mes études, en fait, je suis allée au Sénégal. Et j'ai passé quelques temps là-bas et je suis retournée en vacances au Cameroun et je rendais visite à des amis. Et il y a l'un d'entre eux qui me dit, en fait, dans le quartier, il y a une histoire qui circule. Il y a un jeune homme qui vient de tuer sa petite amie. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Je lui pose des questions, mais chaque personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Donc, dans ma tête, pour moi, il y a des incompréhensions. Comment en vient-on à tuer un être cher? Pourquoi est-ce que ça se passe? Donc, en écrivant... La dernière pluie que voici, mon idée, en fait, c'était de reprendre, de partir de ce fait divers-là et de raconter une histoire, de savoir, de comprendre pourquoi, dans quel contexte cette histoire pourrait être née, quelles auraient été les motivations de ce jeune homme-là. Donc, dans le roman La dernière pluie, et oui, c'est la première nouvelle que j'ai écrite, c'est l'histoire, en fait, de Zéphirin, hein? Qui rencontre cette jeune fille-là, Émilie, qui est étudiante.
Donc, il tombe amoureux et de fil en aiguille, il finit par la demander en mariage. Et par respect pour sa famille, il accepte donc de la laisser terminer ses études et de financer ses études avec l'entendement qu'à la fin de ses études, le mariage aurait lieu. Donc, 8 mois avant le mariage, Émilie se présente donc à lui et elle lui annonce qu'en fait que non, le mariage n'aura pas lieu, qu'elle a eu une inscription en France et qu'elle le quitterait. Donc, c'est à partir de là vraiment que tout le travail psychologique se fait dans la tête de Zéphira. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un phénomène assez social que je décris parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du phénomène entre guillemets des panthères, en fait, de ces femmes-là qui extorquent de l'argent aux hommes. Donc, c'est un peu ce contexte-là que je reproduis dans ce roman-là. Je vais juste dire que vous aviez une vision parce que ça fait fort longtemps que vous avez écrit ce livre et à ma connaissance, les panthères n'étaient pas encore nés. Les panthères n'étaient pas encore nés, mais je veux dire en fait que ce roman-là qui a été écrit il y a très longtemps est d'actualité aujourd'hui en fait. Et on pourrait comprendre à travers cela ce que ça pourrait entraîner au fil des choses. Non, là je vous ai compris parfaitement. C'était juste une manière de dire que généralement vos livres, on va assimiler ça aux Simpsons qui disent toujours la vérité. Donc, il faut écrire, s'il vous plaît, qu'un jour Billy Pro deviendra président de la République et je suis sûr que ça va se réaliser. Alors, Muriel, cette idée-là, avant de revenir à écrire, est-ce que toute petite, vous avez toujours eu l'impression de vouloir écrire ou vous étiez trop fan des lectures? L'histoire de l'écriture chez moi est très liée à l'histoire, à la lecture, à mon amour pour la lecture. Il faut savoir qu'au Cameroun, dans notre maison, en fait, ma mère a une petite bibliothèque peut-être une vingtaine, une trentaine de livres que je les ai tous dévorés, en fait, ces livres-là. Et je pense que c'est de là qu'est né mon amour aussi pour l'écriture. Donc, mon amour pour l'écriture a donc commencé par la lecture. Donc, à l'école, il y avait une matière qu'on appelait la rédaction que j'aimais beaucoup. J'étais très douée en rédaction. J'aimais beaucoup écrire les textes narratifs. Et donc, c'est à Liberman que j'ai rencontré d'autres camarades de classe qui aimaient la littérature, qui aimaient écrire. Et je voyais certains d'entre elles prendre leur cahier et écrire des histoires et nous remplir des cahiers de 288 pages. C'était assez curieux, je ne savais pas, c'est quelque chose que je découvrais. Donc, par curiosité encore, je me suis dit, OK, bon, moi, je vais écrire mon roman. Et donc, j'ai commencé à écrire des romans policiers parce que dans la bibliothèque de ma mère, il y avait un auteur, Mary Higgins Clark, qui écrivait des romans policiers et j'aimais beaucoup. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Alors, merci Muriel. Et parlons du deuxième ouvrage, il s'intitule quoi exactement et de quoi est-ce que ça parle? La deuxième nouvelle, en fait. S'il te plaît, Muriel, la première nouvelle, c'était le premier roman, c'était dû à un meurtre, comme ça on avait expliqué, à un assassinat d'un jeune homme à Douala. C'est ça qui vous a poussé à écrire. J'espère que cette fois-ci, quelles sont les motivations pour le deuxième livre? C'est parce que vous avez beaucoup vendu, vous avez eu de l'argent, vous avez dit qu'on écrit ou c'est encore une histoire? En fait, le deuxième roman, déjà j'aime écrire, donc pour moi, l'écriture fait partie de moi, l'écriture fait partie de ma vie. Je ne peux pas m'imaginer ne pas écrire, en fait. C'est quelque chose d'absolument absurde chez moi. Donc, pour la deuxième nouvelle qui a été publiée en 2015, pour la petite histoire, la maison d'édition Édition Assemblage avait lancé un concours littéraire, en fait. Ils avaient fait un appel à texte. Donc, ils cherchaient des auteurs noirs qui avaient une expérience, qui vivaient en Allemagne, en fait, et qui devaient parler de leur expérience en Allemagne
et cette expérience devrait avoir lieu en hiver. Donc, moi, étant en Allemagne depuis, je suis arrivée en Allemagne en 2010, j'étais en Allemagne depuis 4 ans parce que l'appel a eu lieu en 2014. Donc, je suis en Allemagne depuis 4 ans. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a un contexte assez... J'ai vécu le racisme, j'ai vécu la discrimination. Donc, c'est quelque chose qui m'a fortement marquée. Et pendant ma vie, pendant ces 4 ans-là, en fait, j'ai eu une crise identitaire où j'ai eu à réapprendre qui j'étais, à me réapproprier mon identité de Camerounaise, en fait. Donc, dans ce roman-là, je raconte, en fait, l'histoire d'un personnage noir, Gauthier Mika, qui va faire des courses à Francfort et qui vit à 4 reprises des expériences de discrimination. Et donc, c'est assez, c'est de ça dont je parle, en fait, tout simplement dans cette œuvre. Merci, Muriel. Ben, alors, avant de continuer, on rappelle à nos chers téléspectateurs que nous avons eu quelques problèmes, je ne sais pas, du côté du Canada, l'image qui ne cessait de bégayer, mais sinon, au niveau du son, c'était bien. Alors, nous allons retourner en Allemagne, où nous avons notre invitée, Madame Akama, qui nous attend. Alors, Madame Akama, on a suivi tout à l'heure ce fabuleux reportage que nous avons fait de vous, que nous avons fait sur vous en 2018, lors de la journée de l'entrepreneuriat organisée par la VKEI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Alors, il y a cela 2 ans, qu'est-ce qui a changé dans la grande maison Kelena? Quelles sont les améliorations ou comment est-ce que vous avez essayé d'améliorer votre business? Oui, Akiba, merci pour la question. Oui, c'est-à-dire que, comme je disais, on a fêté 5 ans cette semaine. Et ça paraît beaucoup pour une entreprise parce que, voilà, en fait, la plupart des entreprises... Je crois qu'il y a une statistique qui dit que 80% des entreprises ne dépassent pas la 3e année. Et donc, voilà, nous aussi, on a ressenti ça. C'est-à-dire que lorsqu'on passe la première année, il y a un challenge qu'on ressent, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Et donc, ce que nous avons fait de particulier, c'est que nous avons essayé d'écouter ce que les personnes qui émènent nos produits nous disaient. Et donc, nous sommes allés vers ça, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, nous avons pivoté un peu au niveau du business model. Donc, avant, au tout début, on était un peu sur du print on demand. Et on a cessé de faire ça, on est plutôt passé vraiment à quelque chose où on disait, OK, quel est le top 10, le top 15, le top 20 de nos produits qui sont les plus appréciés, qui sont les best-sellers. Et puis c'est sur ces produits-là qu'on se concentre depuis, on va dire quoi, 2000, on va dire depuis un an environ. Ça c'est d'un côté, puis de l'autre côté aussi d'aller avec la digitalisation parce que ayant un business model où la moyenne de nos d'un produit Kelena c'est quoi, 50 euros, entre 30 et 50 euros. Donc on doit avoir une autre manière de vendre que quelqu'un qui vend dont la moyenne du produit est à 1 000, 2 000 ou 3 000 euros. Donc, c'est un peu vraiment des ajustements aussi au niveau de la structure que nous avons fait pour pouvoir rester compétitif et se concentrer vraiment sur les produits qui marchaient. Parce qu'il faut dire qu'au départ, on est parti avec une grande boutique de près de 200 produits. Et puis, petit à petit, on a essayé de regarder ce qui marchait. Donc, voilà ce qui a changé au niveau structurel. Sinon, les nouveaux produits Kelena, C'est comme je vous ai dit, on met un peu plus en avant Mimi Nyanga et Sangomuna. Sangomuna, c'est la version garçon de Mimi Nyanga. Pendant longtemps, les gens nous ont reproché ça. Les gens nous ont dit, oui, mais pourquoi vous faites des choses pour les petites filles et vous discriminez les petits garçons, c'est pas gentil. Donc on a arrangé ça. Je crois que c'était l'année d'après où on a sorti justement une version pour les petits garçons. Donc ça, c'était une nouveauté. Les gens ont beaucoup apprécié. Nous-mêmes, ça nous a un peu effrayés parce que le retour que ça a fait, on ne savait pas qu'il y avait autant de monde qui attendait ça. Quand vous êtes entrepreneur, vous pensez que vous faites les choses et puis bon, il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui ne répondent pas. Mais en fait, surtout avec le monde digital qu'on a,
il y a une grande partie des personnes qui vous suivent, mais qui ne disent jamais rien. Et vous croyez que, voilà, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés. Non, les gens suivent ce que vous faites. Les gens voient vos posts, même s'ils ne likent pas. Les gens écoutent ce que vous dites, parce que même en tant qu'entrepreneur, vous êtes aussi quelque part un leader. Donc, on a été un peu surpris par, par ce retour-là, mais c'était un retour positif. Et puis, ça nous a encouragés donc, à vraiment continuer d'enlever ces deux marques-là et de faire de Mimi Nyanga vraiment une marque à part entière, plus ou moins indépendante de Keleena. Ça reste dans la maison Keleena, mais l'avenir, c'est que justement que ce soit une marque à part entière dans laquelle on va aussi beaucoup investir en termes de marketing, en commençant justement par la page web qui existe déjà, miminyanga.com, où les personnes qui sont intéressées justement par Mimi Nyanga et puis les langues africaines peuvent aller trouver les produits qui les intéressent. Depuis 5 ans que vous existez, votre clientèle, c'est plus des Africains, les Européens? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les tendances? C'est plus des Africains. Bon, je vais dire des Afro-descendants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont... qui ont de l'ascendance africaine, mais qui n'ont plus forcément directement... Ils n'ont plus le même lien avec l'Afrique que les Africains même. Et c'est justement pour ça que ce sont nos clients. C'est parce qu'à travers nos produits, à travers les services qu'on propose, ils essayent de se reconnecter justement à cette Afrique-là. Mais, en fait, en général, c'est plus des Africains d'Afro-descendants. Mais dans le même temps, il y a quand même une petite anecdote que je peux me permettre de la raconter. Nous avions un produit qu'on vend souvent en hiver. C'est un pull vert qu'on a fait en série qui raconte un peu l'histoire des... qui fait un peu le spotlight sur les grands volcans en Afrique. Enfin, de par le monde, mais en Afrique aussi. Donc, on a un pull vert qu'on appelle Mon Cameroun. Je crois que certains, beaucoup dans la FAFCA, connaissent un peu le design de ce pull vert. Au départ, on a fait ce pull vert parce qu'on a fait Afrique en avant. Et puis, à côté, on a aussi fait des versions allemandes et tout. Française même, je pense. Et puis, lorsqu'on a regardé les statistiques, au bout d'un an, deux ans après la création, on se rend compte qu'en fait, on vendait plus de produits allemands que de produits africains. C'est-à-dire que dans ce produit-là, la version allemande avait plus de succès que la version africaine. Ça nous a un peu choqués. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on identifie son avatar client, son client idéal. Et pour nous, le client idéal, c'était l'allemand, qui a un rapport direct avec l'Afrique. Donc, une manière de dire que dans certains produits, on a une forte connotation africaine. Et puis dans le produit, il y a les gens qui viennent dire, nous, du côté allemand, on veut aussi avoir ça. Donc, ça dépend du produit, quoi. Madame Akama, est-ce que vous avez l'impression, avec tout ça, avec ce que vous venez de raconter, comme plusieurs entrepreneurs le disent souvent, que vous n'êtes pas soutenu par la communauté camerounaise africaine? Je dis qu'ils ne s'intéressent pas trop à leurs produits parce que les Africains, déjà, qui ne consomment pas africains, c'est un peu un danger également pour notre économie. Et consomment plus européens, disons comme ça. Est-ce que je dirais que les Africains en général ne soutiennent pas forcément leurs frères africains? Je ne dirais pas ça comme ça parce que ça sonne un peu non positif. Je dirais plutôt que les consommateurs africains, de notre expérience, là je vais parler vraiment d'une expérience personnelle dans Keleena, Mimi Nyanga et consorts, nous avons remarqué que les consommateurs africains ont besoin d'être, comment on va dire ça, autant qu'on courtise n'importe quel client.
Parce que beaucoup d'entrepreneurs africains ont l'impression que, OK, comme je, suis, l'impression africaine, que, okay, comme je suis africaine, il faut qu'elle vienne acheter chez moi. Mais ça marche jusqu'à un certain niveau. Nous avons vu que lorsque nous préparons nos campagnes de marketing correctement, lorsque nous y mettons du temps, lorsque nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a toute une gamme, toute une palette de méthodes à mettre en place pour que le client ait envie de venir acheter. Chaque fois qu'on réussit à mettre tout ça en place, le client achète. Indépendant de africain ou pas africain. Donc je pense que le problème est à deux niveaux. Il faut tenir compte du fait que oui, on apprend à s'aimer. Donc quand on vend un africain, c'est pas comme si on vendait un allemand. On a une autre histoire. On a d'autres mécanismes dans notre subconscient parce qu'il faut voir que en matière de marketing, 80% des décisions d'achat n'ont rien à voir avec la raison. Rien du tout. 80% des décisions d'achat ont à voir avec ce qui est emmagasiné dans le subconscient des gens. Donc, quand on dit aux gens, oui, il faut consommer parce que c'est africain, parce que c'est bien et tout, c'est un discours qui touche seulement 20% des décisions. Les 80 autres pourcents sont dans l'émotion. Et dans le subconscient. Et c'est vers ça qu'on essaie un peu de... C'est vers ça qu'on essaie un peu de travailler. Quoi. C'est avec ça qu'on essaie de travailler, quoi. Alors, merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Vous êtes sur BillyProd TV en partenariat avec la VICAII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, qui ont décidé de mettre cette très belle initiative sur pied. Aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Nadège Akama et Muriel Ben. Alors, Muriel Ben, nous allons aller du côté du Canada. Nous allons rejoindre Muriel si elle est toujours en ligne. Alors, Muriel, parlons maintenant du troisième ouvrage. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé, puisque votre premier livre ainsi que le second, nous avons entendu parler, vous nous avez naturellement expliqué les raisons qui vous ont poussé à le faire. Et le troisième livre, comment il s'intitule et de quoi est-ce qu'il parle? Ok, merci pour cette question, M. Guéguet. Donc, le troisième roman s'intitule « Un bond dans l'inconnu ». Il a été rédigé quand je vivais au Sénégal. Donc, mon expérience au Sénégal, c'est une expérience assez positive. On parle souvent du Sénégal comme le pays de la teranga. Donc, ce troisième roman-là a été inspiré, c'est une autofiction qui a été inspirée de ma vie, personnelle. Muriel, un souci avec ta caméra, je ne sais pas si elle n'est pas activée. Il y a un souci parce que ton image s'abaisse, je ne sais pas si tu peux essayer de regarder ce qui ne va pas pour nos téléspectateurs. Ma caméra fonctionne. L'image est juste figée, pardon. C'est toujours figé? Oui. Oui. Et là? Ah, c'est mieux. Alors, merci Muriel pour avoir résolu ce problème technique. Hein? Je t'ai dit que tu savais aussi faire la technique, c'est toi qui disais non, tu es littéraire. Alors Muriel, je t'écoute s'il te plaît. Ok, pour répondre à cette question, comme je disais, le troisième roman a été écrit pendant que je vivais au Sénégal. Donc le Sénégal, j'ai fait mes études à Dakar. Et pendant mon séjour à Dakar, j'ai été frappée par la beauté. La beauté de la vie. Et aussi, j'ai été frappée par ce qui se passait dans les médias. Je me suis très vite rendu compte que dans les médias, on présentait toujours une image négative de l'Afrique. C'était toujours l'Afrique de la pauvreté, l'Afrique des guerres, l'Afrique de tout ce qu'il y a de plus négatif. Donc, dans ce roman-là, dans ce roman que j'ai écrit, je prends un peu tout ce qui est positif
à Dakar, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, que je jumelle dans une histoire d'amour entre deux personnages. En fait, donc c'est une histoire d'amour qui est racontée à travers les différents lieux au Sénégal que j'ai eu à visiter. En fait, donc c'était un peu ça, c'était l'idée que j'avais derrière ce roman en l'écrivant. Alors Muriel, votre troisième livre est dehors. Vous avez vendu, je ne sais pas si je devrais poser cette question, est-ce que vous avez le sentiment qu'à chaque fois que vous écrivez, il y a des Africains qui achètent, qui veulent lire, qui veulent, je ne sais pas, qui s'intéressent à vos écrits? Les trois romans ont été publiés pendant que j'étais en Allemagne. Donc, étant sur le territoire allemand, c'est avéré que pour vendre mes romans, en fait, il fallait forcément que je perde sur le territoire. Ce que j'ai commencé à faire, je me suis associée à différentes associations allemandes pour pouvoir assister à des manifestations, pour pouvoir lire mon roman, en fait. Donc, j'ai été invitée plusieurs fois, mais j'ai aussi à me connecter à la communauté africaine, aux associations camerounaises. J'étais par exemple à Kiel, où j'ai été très bien accueillie, où j'ai pu faire la promotion de mon roman. Donc, comme le disait ma copanéliste, le marché africain, il faut vraiment aller vers ce marché-là et leur parler. Et je pense que ce n'est que comme ça que le travail, que la vente peut se réaliser. Et je dois souligner aussi qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais qui me soutiennent. Par exemple, ma cousine qui, à un certain moment, m'a aidé à faire la promotion, à cheminer mes livres vers le Cameroun. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, ils ne sont pas disponibles au Cameroun. Donc, on a eu à organiser des séances de vente où chacun passait une commande et après, quand on trouvait quelqu'un qui allait au Cameroun, on acheminait les livres vers le Cameroun. Donc, mon expérience est un peu basée, un peu diverse de ce côté-là. Merci Muriel Ben. On rappelle que vous êtes au Canada. Il est pratiquement, si j'ai bonne mémoire, il doit être 10h. Il est 10h54. 10h54, ok. C'est la nuit, c'est le froid. Comment c'est là-bas? Heureusement, il fait chaud ces jours-ci. Il fait chaud. Ok Muriel, c'est bon, merci. Alors Muriel, bon là c'est une question assez personnelle. À chaque fois que j'ai pris un bouquin et que je commence à le lire, je ne fais même pas deux pages. C'est un sommeil qui me prend, le sommeil le plus doux du monde. Même quand j'ai dormi 3 jours, je reprends le même bouquin, j'ouvre, encore un autre sommeil me prend. Quel est exactement le secret de la lecture? Comment on fait pour apprendre à lire? Déjà, je voudrais commencer par dire que, d'une certaine manière, tout le monde lit, en fait. La littérature, on peut lire des livres fictifs, on peut lire la fiction, on peut lire de la non-fiction. Et la lecture, en fait, dépend des objectifs de chacun. Chacun dans son domaine peut lire. Par exemple, j'ai écrit un article d'ailleurs dessus dans mon blog. En fait, on a des entrepreneurs comme on a Bill Gates, on a Elon Musk qui lisent des livres qui sont dans leur domaine, en fait. Donc, on lit pour acquérir des compétences, on lit pour découvrir d'autres mondes, on lit parce que peut-être on veut développer son business. Donc vraiment, pour ce qui est de la lecture, ce que je conseillerais, c'est déjà d'avoir des objectifs de lecture en tête. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Et ensuite, étant donné que si je prends ton cas particulier, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'aime pas forcément la littérature, ou la lecture, ce serait peut-être de commencer à lire une page par jour. D'abord par là, de se dire, OK, bon, je lis juste une page par jour. Et au fur et à mesure, quand tu as développé cette habitude-là, tu pourras augmenter au fur et à mesure le nombre de pages que tu liras, en fait. Après 2 semaines, ça pourra être 2 pages, tu pourras lire 2 pages, et ainsi de suite. Mais toujours vraiment de se mettre dans cette attitude de vouloir vraiment, parce que je pense que c'est une question d'intention. Est-ce que je veux vraiment lire? Et si tu veux vraiment lire, comme toute chose dans la vie, si tu veux vraiment la faire, tu trouveras du temps pour ça et tu t'y mettras. Et la dernière chose que je voudrais rappeler, c'est que
on est, il faut toi aussi identifier les meilleurs moments de la journée pendant lesquels tu peux lire, en fait. Peut-être que le matin, tu n'es pas, ton cerveau n'est pas réceptif à la lecture, peut-être tu seras plus à midi ou un peu plus le soir. C'est vraiment d'identifier ces différentes périodes de la journée où tu es plus ouvert à la lecture et peut-être aussi changer le lieu sur lequel, dans lequel tu lis. Ça peut être à l'extérieur, dans un lieu public, je pense à que tu t'endormirais. Alors, Muriel, je vous rappelle que pendant que vous étiez en train de parler, on a encore eu des cales d'images. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, sans plutôt, si ça vous dérange là-bas avec votre connexion Internet, vous pouvez faire appel à MTN ou Orange Cameroun. Je crois qu'ils sont très mieux placés, hein, contrairement aux Canadiens. Là, j'ai la certitude. Alors, Muriel, nous allons retourner cette fois-ci du côté du... Nous allons retourner en Allemagne où on a une connexion assez fluide et nous avons notre princesse, Madame Akama Nadège. Alors, Madame Akama, nous allons aborder la troisième partie de cette interview en parlant. Alors, à chaque fois que je vous ai appelé, vous m'avez répondu, vous m'avez toujours salué, soit c'était Bolo, c'était Akama, c'était un jour Oyokla. Je ne sais pas, vous me... tantôt, c'était Bonbonkiri ou tout ça qui venait avec. Bon, là, c'est votre amour pour la langue maternelle. On vous voit également sur les réseaux sociaux où vous faites carrément une campagne sur cette langue africaine. C'est quoi exactement votre objectif et c'est quoi votre motivation et vos objectifs dans ce sens-là? Oui, alors, Bolan Challenge, c'est une initiative qui est née en sourdine, mais qui aujourd'hui prend de l'ampleur parce que je pense que c'est quelque chose qui dort un peu dans chacun d'entre nous. C'est une initiative qui a une idée simple, c'est d'aider les afro-descendants à reconquérir et à recommencer à vivre la langue maternelle parce qu'on s'est rendu compte que un peuple ne peut pas se développer avec exclusivement la langue des autres. Donc un peuple qui doit créer aussi en sa langue. Parce que si on crée seulement dans la langue des autres, on enrichit les autres et on s'appauvrit soi-même. Donc, par exemple, je prends le cas, d'un domaine comme les livres. Donc, c'est bien de nous écrire des romans et moi-même, on en a des centaines et des centaines. Mais ces temps-ci, on cherche beaucoup, vous avez aussi vu sur la campagne qu'on fait, on cherche aussi des gens qui ont écrit dans les langues africaines. C'était très rare il y a quelques années, ça commence à être récurrent et puis c'est vers ça qu'on va aller. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée au début, alors c'est quoi ces salutations au début? En fait, c'est l'origine de Bolan Challenge. Bolan Challenge, ça vient d'une anecdote que j'aimerais raconter. Alors, dans une partie de ma vie où j'ai beaucoup travaillé dans les associations africaines, Ici en Allemagne, je me retrouve quelque part dans une association où il fallait que plusieurs nationalités africaines cohabitent pour pouvoir faire avancer les dossiers de la communauté africaine. Et donc, on se retrouve avec des Congolais, des Sénégalais, des Ghanéens, beaucoup de nationalités. Moi, je suis camerounaise. Et puis, à un moment donné, il y a des gens qui trouvent qu'ils ne s'expriment pas assez bien en allemand. Ils aimeraient qu'on parle en anglais. Et puis, il y a d'autres qui disent, oui, mais les Anglais disent, oui, mais en fait, le portugais, ce serait mieux. Et quelqu'un d'autre dit, non, en fait, il faut plutôt parler espagnol. Donc, on s'est retrouvés avec des Africains. Ils veulent parler de comment est-ce que leur progéniture africaine va avancer. Mais qui se retrouvent chacun en train de défendre les intérêts de leurs anciens colons? Je ne sais pas si ça m'a choqué, parce que je me suis demandé, ça ne peut pas être possible. Comment est-ce qu'on veut avancer si on est tout le temps en train de revenir sur ce que le colon a laissé? Est-ce que nos ancêtres n'ont pas laissé de langue? Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis retournée vers mon collègue congolais. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on salue en talent? Il me dit, on dit mbote. J'ai dit, ok, c'est intéressant parce que chez moi, chez mes parents qui parlent boulou, pour saluer, on dit mbolo. Et pour les Kenyans, par exemple, pour saluer, on dit njambo.
Et on trouvait ça intéressant parce qu'en fait, quand on regarde les trois racines de ces mots, la racine est la même, alors qu'en fait, c'est trois nationalités différentes. Donc, en fait, les langues africaines sont très, très reliées entre elles. Et on a commencé à trouver ça un peu difficile d'être en opposition par rapport à l'anglais, français et tout ça, alors qu'en fait, nos langues à nous sont plus proches les unes des autres. Et c'est à ce moment-là que, on va dire quoi, cette désobéissance, ce souci de désobéissance, là, linguistique a commencé à dire, à partir d'aujourd'hui, je salue tout le monde en langue africaine. Et comme je ne connais pas les langues de tout le monde que je vais rencontrer, je salue d'abord ma langue. Et puisque la plupart des Africains, eux, saluent en langue des Français, ce sera tant pis pour eux. Moi, je vais leur imposer ma langue. Donc, c'est un peu comme ça que chaque fois que je salue, en fait, c'est Mbolan Miegayamela. Donc, en fait, c'est trois langues camerounaises. Mbolan, ça veut dire salut en langue d'où, la langue de mes parents. Meyega, c'est le Bassa. J'aime juste la manière dont ça sonne. Et puis Yamela, je crois que c'est le Nufi et ça veut dire comment ça va. Donc, pour moi, c'est une manière de saluer parce que si on ne peut même pas se dire bonjour en langue africaine, dans nos langues, si on ne peut même pas se saluer sans qu'il y ait un français et un anglais qui viennent traduire pour nous, je ne sais pas quel genre d'Afrique on veut construire. Donc, pour moi, c'est un peu d'où ça vient. Merci, Madame Akama. Une question avant d'aller du côté du Canada. Est-ce que vous croyez, sinon, quel impact peut avoir les langues maternelles dans la science? Sur la science. Alors, dans la science. Comment est-ce que je veux dire? Je pense que là, on est même déjà très loin parce qu'en fait, la science, c'est une manière d'étudier l'environnement. Voilà, on étudie l'environnement, on en tire des conclusions qui peuvent nous aider à améliorer notre quotidien, à nous élever dans ce que nous pensons être venus faire ici sur la Terre. C'est ça, la science. Donc, alors, est-ce que les langues maternelles peuvent aider? Moi, je ne sais pas. Je dirais que il n'y a pas un peuple ne peut pas exister en dehors de ce que lui-même il a pu créer. Ce que les autres ont créé. On parle français, on parle anglais, ou alors on fait des sciences en français et en anglais. C'est bien. Mais je pense que si je suis, par exemple, spécialiste de, je sais pas moi quoi, un spécialiste en physique et un spécialiste en informatique, comme je le suis. Quelle que soit la spécialisation que vous avez, votre spécialisation est à moitié vide ou alors à moitié pleine si vous ne savez pas expliquer ce que vous faites en votre langue maternelle. Laissez-moi répéter. Si vous êtes un spécialiste de marketing, si vous êtes un spécialiste de la littérature, physique nucléaire, j'en sais rien. Si tu ne sais pas expliquer ce que tu fais en Bassa, en Mendumba, en Ewondo, Quelque part, nous sommes encore des illettrés. Donc, faire la science exclusivement avec la langue des autres, c'est une science qui va profiter aux autres. Si on prend un exemple, parce qu'il faut voir que cette histoire de tutelle linguistique, la tutelle linguistique a un souci parce qu'elle nous amène la tutelle politique, elle nous amène la tutelle économique. Quand je parle de tutelle économique, je veux dire quoi? Si on dit que, par exemple, dans les sciences, si quelqu'un veut, moi je suis par exemple informaticienne, si je veux conseiller à quelqu'un un livre pour apprendre à coder Java, ok? Donc, Construire en fait des logiciels informatiques. Il y a des centaines de livres sur le marché, mais 80% de ces livres sont écrits en quelle langue? Ils sont écrits en langue anglaise. Ça veut dire que si un anglais a une super idée sur comment améliorer Java, il écrit son livre en anglais ou en américain, comme ils disent là-bas. Maintenant, ce livre-là,
Ce livre-là, la plupart du temps, sont traduits, vous allez trouver en 30, en 20, en 20, 30, 40 langues. Et lorsqu'on recherche, lorsqu'on va vers ces gens et qu'on leur dit, mais pourquoi vous ne faites pas la traduction des livres, de ces livres, de ces best-sellers-là en langue africaine, ils nous disent, oui, en fait, on a essayé, on a pensé à ça, sauf que lorsqu'on a fait les recherches, on s'est rendu compte que la plupart des pays africains, plus de la moitié des pays africains, leur langue officielle, c'est le français et l'anglais. Et donc, si on traduit en français, c'est ça qu'on a aussi traduit pour les Africains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de la tutelle linguistique, nous nous retrouvons dans une tutelle économique. Pourquoi? Parce que les gens qui auraient pu trouver du travail dans le domaine de la traduction, dans le domaine de l'imprimerie, dans le domaine de librairie, parce que... Pardon? Donc... Dans tous ces domaines-là, ces gens-là, ce domaine-là se retrouve carrément à zéro. Pourquoi? Parce que nous nous mettons sous tutelle de la langue française. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que, puisque vous dites que vous parlez français, nous n'avons même pas besoin de traduire cette information qui est importante en langue swahili ou bien en langue yoruba. En fait, ça suffit si c'est en français. Et nous, comme ça, nous restons sous tutelle de la France. Je ne sais pas si on comprend ce mécanisme. Donc, il y a une tutelle économique qui vient avec, il y a une tutelle linguistique et il y a une tutelle aussi politique. Parce que, au final, ce qui se passe, je prends souvent l'exemple d'un... Je prends souvent l'exemple d'un businessman chinois ou indien qui veut venir faire des affaires au Cameroun. OK? Quelqu'un qui ne connaît pas la culture africaine, il va dire, OK, quelle langue camerounaise je dois apprendre pour entrer dans l'économie du Cameroun. On lui dit, non, tu n'as pas besoin, il faut plutôt apprendre le français. L'Indien et le Chinois ne vont jamais vous respecter parce que vous montrez que vous êtes encore sous tutelle française. Pour comprendre le Cameroun, il faut qu'il apprenne le français. C'est insensé en 2020. Mais c'est ce qu'on fait. Pour revenir à la question de est-ce que les langues camerounaises ou africaines peuvent apporter quelque chose à la science, je crois que c'est le contraire. Il n'y a pas de science qu'on puisse faire si ce n'est pas basé sur nos langues maternelles. On me pose souvent aussi la question par rapport au bilinguisme. On me dit, est-ce que le bilinguisme, on devrait le, comment on appelle ça? Est-ce qu'on devrait l'élargir? Parce que quand tu dis bilinguisme à un Camerounais, lui voit le français et l'anglais. Est-ce qu'on devrait donc élargir le bilinguisme aux langues camerounaises? Et moi, je dis, en fait, pour le Cameroun, et c'est comme ça pour tous les pays africains, le bilinguisme au Cameroun n'a de sens que s'il est basé sur une langue africaine. Si on vient apprendre le bilinguisme, il n'y a aucune langue africaine, il n'y a aucune langue camerounaise dedans. Ce n'est pas le bilinguisme qu'on t'apporte, c'est le ndoutou. Vous savez ce qu'on appelle le ndoutou, non? Voilà, c'est la souffrance qu'on t'apporte. Parce qu'on veut que tu ailles cultiver le champ des autres alors que toi tu as ton propre champ. Personne ne le cultive. Personne ne cultive le champ de Mentouba. Personne ne cultive le champ de Feifei. Personne ne cultive le champ de Boulou, de Ewondo. Mais vous êtes tout le temps en train de cultiver les champs de français et d'anglais. C'est le tribalisme. Comment vous concevez qu'au Cameroun, on ne puisse pas parler officiellement une langue camerounaise? C'est un péché. C'est pas normal. Donc, ce que Mbolan Challenge dit, c'est que nous commençons avec les familles, puisque au niveau officiel, apparemment, il y a blocage depuis 50 ans. Ça n'a pas l'air d'avancer. Donc, nous commençons avec les familles. Nous proposons aux familles de l'aide pour implanter les langues camerounaises, les langues africaines dans le quotidien des familles. Nos langues sont encore dans les livres. Elles sont encore dans les dictionnaires et on doit les sortir et puis vraiment les mettre au grand. Donc, c'est ça notre objectif avec Mbolan Challenge. Merci, Madame Akama. Avant d'aller du côté du Canada pour rejoindre Muriel Ben, dont la régie me signale que la caméra, sinon l'image, est restée fixée, je vais vous lire une question de l'un de nos téléspectateurs qui dit « Madame Akama, quelle est la stratégie pour les communautés
et diaspora africaine en Europe pour transmettre leur langue maternelle à leurs enfants nés ici en Europe. Quel rôle pourraient y jouer des associations ou encore comme la VKI par exemple? Oh, c'est une très bonne question. Akiba, merci à celui ou celle qui a posé cette question. Alors, quelle est la stratégie? C'est une bonne question parce que, en fait, ce que nous faisons avec Mbolan Challenge, c'est que justement nous posons dans la question de la stratégie. Nous avons développé un certain nombre de zones. Comme on dit en langue bantou, zone, c'est quoi? C'est le chemin. Un certain nombre de ce swali, c'est quoi? C'est les astuces, donc des choses qui. Un ensemble d'astuces, d'outils qui peut aider les Africains à ce que leur langue soit facile au quotidien. Par exemple, on ne peut pas parler de ça ici en long et en large parce que voilà, on est dans une émission live. Donc, je conseille aux personnes de visiter notre site molanchallenge.com. Molan, je crois qu'on peut écrire ça dans le chat. Mais sinon, pour donner un exemple, juste un exemple, c'est que vous pouvez commencer par vous-même, parce que souvent on croit que pour changer le monde il faut aller convaincre les autres de changer, mais en fait c'est la personne qui a posé la question, elle doit commencer par elle-même. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences par toi-même. Est-ce que toi-même, là où tu travailles, là où tu vis, dans ta famille, est-ce que tu es un exemple par rapport à la langue maternelle? Et si tu vois que ce n'est pas le cas, commence par les choses simples. Tu dis souvent, commence par le bonjour. Il n'y a aucune loi qui dit à un Africain de saluer un autre Africain avec le bonjour, en français ou en anglais. Salut, à partir d'aujourd'hui, je t'invite, toutes les personnes qui écoutent, je vous invite désormais à saluer tout Africain, tout Afro-descendant, en langue, dans la langue africaine de votre choix. Faites-le, parce que c'est seulement comme ça qu'on commence. Vous allez avoir les gens qui vont être un peu réticents, vous allez avoir les gens qui vont se moquer de vous, mais vous savez où vous allez. Ça peut être une méthode. Donc, pour connaître la méthode de loi en large, vous pouvez visiter notre site internet, comme j'ai dit. Vous pouvez vous abonner à notre page YouTube parce qu'il y a une vidéo justement qui arrive, qui est intitulée, je crois, 7 mini challenges pour accélérer l'apprentissage de la langue maternelle. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire, on ne peut pas s'étaler en long en large dessus. Mais ça, c'était juste une petite astuce que vous pouvez utiliser. Merci, Madame Akama. Merci d'avoir répondu à la question de nos nombreux téléspectateurs. Nous invitons également tous ceux qui sont connectés présentement de partager la vidéo. Nombreux sont ceux qui n'ont pas le temps maintenant, mais plus tard, ils pourront regarder cette vidéo. Et en partageant une vidéo, vous encouragez nos deux entrepreneurs qui sont sur le plateau. Alors, nous allons aller du côté du Canada. On vous rappelle que vous avez la possibilité d'appeler au 0049 176 20 96 48 ou écrire juste vos questions ou ce que vous aimeriez que l'on améliore dans nos émissions futures sur notre page Facebook ou pendant le stream. Alors, je vais aller du côté du Canada où Muriel Ben nous attend. Sa connexion s'est rétablie. Je peux, à la régie me signale. Alors, Muriel, toi qui es là avec ta connexion des Canadiens qui semble être en dessous de ce que Orange et MTN me procurent. Donc, je vais. Alors, Muriel Ben, vous avez écouté également l'intervention de votre copanéliste, celle de Madame Akama. Alors, est-ce que vous êtes prête, si je me fiche à la question qui a été mentionnée pendant notre live, est-ce que vous pouvez écrire en langue maternelle vos romans? Est-ce que vous seriez prête à le faire? C'est une question qui m'a traversé l'esprit, qui m'a préoccupée pendant que j'étais en Allemagne, en fait.
Il faut savoir d'abord que c'est une question qui préoccupe les auteurs francophones africains. Donc, il y a eu cette grande question. Pourquoi est-ce qu'on écrit en français? Pourquoi est-ce qu'on écrit en anglais alors que nous avons nos langues? Nous avons nos langues africaines, nous avons des langues au Cameroun, au Sénégal, etc. Donc, les avis sont partagés. Donc, on pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de la mondialisation. Il faut pouvoir communiquer avec le maximum de personnes. Et il y a d'autres qui sont un peu plus conservateurs, qui voudraient justement qu'on se tourne un peu plus vers une production endogène, une littérature un peu plus endogène. En ce qui me concerne, pour mon expérience personnelle, donc, quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai été frappée par quelque chose. En fait, je me suis rendu compte que À chaque fois que je voyais des Chinois, ils parlaient mandarin avec leurs enfants. Quand je voyais des Portugais, ils parlaient portugais avec leurs enfants. Les Allemands, ils parlaient allemand avec leurs enfants. Donc ce n'est qu'une fois qu'on arrive à l'école, qu'on apprend la langue vraiment de l'autre. En fait, qu'on apprend une deuxième langue. Et ça m'a vraiment frappée parce que moi, personnellement, dans mon cas, je suis bassa, mais je ne parle pas bassa. Donc, c'est malheureux. C'est quelque chose sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Donc, ma mère peut témoigner, je la harcèle assez souvent pour que je puisse apprendre le bassa. Je lui envoie des questions pour lui demander comment est-ce qu'on dit telle chose en bassa, ou bien je télécharge des musiques. Par exemple, de Ismaleya et avec mon fiancé, par exemple, on les revoit ensemble, on voit les paroles ensemble, je les explique parce qu'ils parlent bassa. Et donc, c'est à mon niveau personnel, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous comprenez donc que je ne veux pas écrire en bassa. Bon, en dépit de pouvoir écrire en bassa, ce que je fais justement, c'est ce que je m'inspire, je me focalise sur autre chose pour le moment, en attendant que je parle, en attendant d'apprendre le bassa. Maintenant, j'essaie dans mes romans, en fait, de montrer ce côté positif de l'Afrique, dans les nouvelles que j'écris. J'essaie aussi de parler un peu plus des différents pays de l'Afrique, de montrer ce qu'il y a vraiment de beau chez nous, de changer le message. Et pendant les prochaines vacances qui approchent, en fait, ce que moi, maintenant, j'aimerais, c'est de pouvoir inviter les gens à parler de leurs propres histoires. En fait, parce qu'on se retrouve dans un contexte où on parle anglais, on parle anglais, français, allemand, nous les Africains, et il n'y a pas de diversité. Donc, c'est vraiment d'inviter chacun à parler un peu plus de soi, de sa culture, d'où il vient, des habitudes qu'on a chez nous, en fait, qu'il y a une diversité. Donc, c'est quelque chose sur laquelle je suis en train de travailler pour les grandes vacances. Et j'aimerais écrire en bassa, mais il faut autant c'est une idéologie, autant je pense que c'est aussi un challenge. C'est vrai, on veut écrire, mais la question de la cible est aussi très importante, parce que comme on dit, on n'écrit pas pour juste écrire, on écrit aussi pour exporter sa littérature, pour qu'elle touche le maximum de personnes. Donc ce sont des sujets qui me préoccupent actuellement et pour lesquels j'espère trouver des réponses très prochainement. Mais très, je peux affirmer que c'est très important d'écrire dans sa langue maternelle. Je ne sais pas si vous regardez, il s'agit d'une série Maîtresse d'un homme marié a beaucoup de succès aujourd'hui. C'est une série sénégalaise et cette série est parlée en Wolof. Les acteurs parlent en Wolof. Donc c'est à nous, les téléspectateurs camerounais, togolais, béninois, parce qu'il y en a beaucoup, de nous adapter pour comprendre cette série-là. Donc maintenant, il y a des sous-titrages en fait. Donc la langue permet vraiment de permettre une construction identitaire, de valoriser sa culture. Et il n'y a que de cette manière-là vraiment qu'on sera plus tourné vers nous et qu'on pourra vraiment se développer. Parce que l'angle et le développement, c'est assez lié, mais je ne veux pas entrer dans cette question-là aujourd'hui. Alors, on espère qu'on va se développer, malheureusement. Bon, prochainement, je vais introduire cette émission en ma langue maternelle et j'espère que ça va. Bravo, oui. Jean-Pierre, je suis témoin. Voilà, donc je vais voir comment on peut écrire ça. Je vais chercher quelqu'un qui peut écrire ma langue maternelle et je vais vous apprendre comme ça tous le Baham. Vous allez parler le Baham prochainement, on va discuter. Donc, alors on va
continuer avec... Alors, Muriel, vous qui... Tu écris depuis de nombreuses dates. Est-ce que... Et tu lis également. Quels sont les écrivains africains qui te... que tu prises, que tu aimes lire? J'ai eu plusieurs phases dans ma... Dans mon expérience de lectrice, en fait. Comme j'ai dit, j'ai commencé chez ma mère, où il y avait plus d'œuvres d'auteurs américains et tout. Donc, au départ, c'était ça. Quand j'étais adolescente, c'était ce que je lisais. Mais quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai découvert la littérature de chez nous, la littérature des auteurs sénégalais, des auteurs maliens. J'aime beaucoup lire Amadou Ampateba. J'aime beaucoup sa trilogie. Il a écrit Wangrin, il a écrit Ampoulet, l'enfant Peul. Il a écrit Oui, mon commandant. Il parle aussi vraiment de l'histoire des langues, de la perte de l'usage des langues maternelles chez nous, en fait, pendant qu'il y a eu pendant la colonisation. Donc, c'est vraiment un auteur. Sinon, en ce qui concerne les questions d'identité, de cheveux afro, de racisme, j'aime beaucoup lire Chimamanda Ngozi Adichie. C'est une auteure nigériane qui parle justement dans une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube du danger de l'histoire unique en fait. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et sinon, j'aime aussi lire des auteurs comme, à une certaine époque, j'ai lu Tant de chiens, malheureusement, de Patrice Gannan, que j'aime aussi. Donc là, il y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup, mais là, ce sont quelques auteurs au hasard, et que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, moi, je ne peux pas citer quelqu'un que j'aime parce que je n'ai jamais pu finir la première page. Dans le livre. Bon, si oui, je peux vous dire qu'il y a maths 1, 2, hein, il y a les livres en électrotechnique. Là, je peux citer parce que j'étais obligé de le faire, non, si je voulais avoir demain quelque chose sur ma table à manger. Alors, Muriel, avant d'aller du côté du Canada, alors Muriel, est-ce que tu penses qu'on devrait, introduire les langues maternelles dans le système éducatif camerounais? Si oui, comment? Quelle serait la stratégie quand on sait qu'au nord, il y a une langue, au sud, il y a la langue, à l'est, il y a... Pour toi, sur le coup, hein, comment est-ce qu'on pourrait jouer avec ça, je dis? Parce que si on dit aujourd'hui qu'on prend le Bahama, hein, pour mettre comme langue officielle, je suis sûr que Akama, elle me regarde déjà de l'autre côté avec ses mauvais yeux et elle dit, hé, Bilité, attention. Okay. Hein? Bon, Muriel, déjà, tu ris là, tu as dit que non, il faut que c'est plutôt le Bassa qu'on prenne. Quelle serait la stratégie si on veut introduire nos langues maternelles dans le système éducatif? C'est vrai qu'au Cameroun, nous, on a plus de 200 langues, c'est un challenge. C'est vraiment un défi. On va introduire toutes les langues locales dans l'éducation. Mais à mon époque, je ne sais pas si ça se passe toujours, à mon époque, on apprenait déjà à l'école, on apprenait le douala et le bassa. Donc, pour la petite anecdote, pour la petite histoire, en fait, quand j'étais à Liberman, donc, ça passait la classe de quatrième qu'on commençait à choisir la langue qu'on voulait apprendre, soit le bassa, soit le douala. Donc, je suis allée voir un des enseignants pour savoir si j'avais le droit d'étudier le bassa parce que je ne parlais pas bassa et je voulais apprendre le bassa. Mais je pense que ça, il ne savait pas. Il m'a répondu que non, étant donné que je suis déjà bassa, je dois apprendre le douala. Donc, c'est comme ça que je me suis donc mise à apprendre le douala en quatrième et de troisième. Malheureusement, ça n'a pas, étant donné que c'était juste sur deux années, c'était pas vraiment effectif. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir eu cette expérience-là parce que ça fait prendre conscience vraiment de l'importance des langues maternelles. Comme on dit, pour pouvoir comprendre les mathématiques, pouvoir comprendre d'autres matières, en fait, normalement, on pense d'abord en sa langue maternelle avant de la traduire en la langue en français ou en anglais ou en allemand. Donc, je pense que c'est très important d'introduire déjà les langues maternelles chez nous, si ce n'est pas déjà fait, si ça ne se fait pas toujours, parce que ça se faisait à mon époque, quand j'étais au secondaire. Le défi maintenant, peut-être, ce serait de choisir, peut-être qu'on pourrait créer aussi une langue, je ne sais pas, ce serait aussi une solution, de créer une langue vraiment qui pourrait être parlée
chez nous que tout le monde parlerait. Comme c'est le cas au Sénégal, on a plusieurs langues. Et c'est le Wolof qui est parlé. Le Wolof, ce n'est pas une langue créée. C'est une langue créée, c'est une langue qui existe déjà, mais c'est vraiment la lingua franca qui est parlée au Sénégal. Dans notre cas, peut-être, ce serait de créer une langue unique qu'on pourrait apprendre. Ou au pire des cas, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est possible de créer des formations en ligne que les gens pourraient aller télécharger. Donc, à la limite, peut-être, c'est de pouvoir créer des... Il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui permettent d'apprendre nos langues. On a, par exemple, je parle Bassa 2.0 qui a développé une application qui permet d'apprendre le Bassa, mais aussi d'apprendre le Douala, et je pense d'autres langues. Donc, peut-être, ce serait de créer des formations à mettre en ligne dans les... Chaque élève pourrait apprendre, un élève qui est Béti pourrait télécharger cette formation-là et l'apprendre. Et un élève qui est Bassa pourrait télécharger cette formation-là et l'apprendre, ainsi de suite, etc. Quoi. Donc, ce serait peut-être une piste de réflexion. Je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là, mais ce serait une idée. Merci, Muriel. Cette fois-ci, ta connexion a été fluide. Sinon glissante. Parfait. Comme... Parfait. Glissante. Je ne sais pas, donc le voisin à qui tu donnes souvent le net là, il faut lui dire que ça va comme ça. Il ne faut pas qu'il vienne surcharger ta ligne de temps en temps. Donc, on va aller du côté de... Alors, bon, tout à l'heure, je vais revenir vers toi pour la sortie. Avant ça, on va aller du côté de... on va revenir en Allemagne où on va rencontrer Madame... Akama qui attend impatiemment. Alors, Madame Akama, aujourd'hui, vous qui aimez les langues africaines, vous qui vous donnez autant pour valoriser cette langue-là, comment, quelle serait la stratégie, la bonne stratégie pour l'implanter dans le système camerounais, le système éducatif camerounais, quand on sait que nous avons plus de 200 langues maternelles qui sont parlées sur l'étendue du territoire? À Bouingam, anti, on est d'offre à Yahala, Billy Prod, à Bouingam et Wa. Si tu réponds à cette question. Mais oui, parlons qu'on y est. J'aimerais citer l'adage qui dit que quand on veut réussir, il faut imiter ceux qui ont déjà réussi. C'est-à-dire que pour résoudre ce problème de langue au Cameroun ou même en Afrique centrale, parce qu'on a ce problème dans presque tous les pays en Afrique centrale. Regardons ce qui a déjà fonctionné ailleurs. Parce qu'on me dit, oh, à Kamba, ça ne peut pas fonctionner parce que on a 200 langues. Bon, déjà, ce n'est pas vrai, mais à supposer même que ce serait vrai, nous ne sommes pas les seuls à avoir, 200 tribus, entre guillemets. C'est un mot que j'aime beaucoup. Parce que ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais bon, allons-y. Nous ne sommes pas les seuls. Le Kenya, en Tanzanie, ils ont aussi les 150 lignées de peuples. Et malgré ça, ils parlent swahili. Ils ont fait comment? Ils sont plus intelligents que nous. Ou alors au Sénégal, le Wolof va faire son entrée dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on fait les débats en Wolof à l'Assemblée nationale. Vous imaginez qu'on fasse un débat à l'Assemblée nationale en Féfé, ou bien en Mendjumba, ou bien en Ewondo, ou bien en Bassa. Donc on a déjà des pays africains qui ont réussi. Il faut regarder leur côté et puis essayer d'imiter. Si créer des stratégies, c'est un problème. Mais au niveau du Cameroun, voici ce que j'aimerais proposer. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui y a pensé. Il n'est pas question, il ne s'agit pas d'introduire les 275 manières de parler camerounaise officiellement. C'est pas ça l'objectif. Mais on pouvait partir du fait qu'on a quatre grandes régions, ou cinq, ça dépend de comment on les parle. On peut dire, OK, on a le Grand Nord et la Damawa. On a l'Ouest, on a le Centre-Sud et l'Est. On a le littoral, on a les régions Bakwiri, qu'on appelle communément le Nosso. Écoutez, ça fait cinq régions que chaque région nomme une langue et puis qu'on marche avec. C'est possible parce que si on est toujours en train d'imiter les deux, on dit OK, oui, mais les Européens font comme ça parce qu'on m'a dit oui, mais ailleurs ça se passe autrement. J'ai dit, mais comment est-ce que
comment est-ce que l'Union européenne fait pour faire ses plénières? L'hongrois parle hongrois, le suédois parle suédois. Les Allemands parlent allemand, c'est-à-dire que chacun a sa langue, mais ils arrivent quand même à construire l'Union européenne. Ils font comment? C'est pas de la magie. Donc je pense que quand on veut, on peut trouver des solutions. Donc il y aurait cette solution là que chaque grande région se choisisse une langue et que ces langues là soient entre comme langue officielle. Ce serait une possibilité. Et maintenant, quant à dire aux gens, aux enfants, oui, apprenez le bassa à l'école, voilà, le douala, j'ai vraiment de la sympathie pour Muriel, pour sa souffrance pendant le lycée. Mais voici ce qui se passe. Nous disons à nos enfants, apprenez le bassa, mais il faut voir qu'on leur donne ça en option. Donc, il faut déjà réaliser ce que ça fait au niveau de la psychologie, qu'on oblige quelqu'un à apprendre la langue de tout lui, mais on met sa propre langue en option. Vous comprenez ça, ce que ça fait au niveau de la psychologie de quelqu'un? Ça veut dire que les autres sont importants et toi-même, tu ne l'es pas. Toi, tu es optional. Toi, Camerounais, tu es optional et c'est les Français et les Anglais qui sont importants. C'est ce que le cerveau comprend, en fait. OK? Donc, ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que dire qu'on va introduire les langues camerounaises dans les cursus scolaires sans mettre les occasions officielles où on va pratiquer ces langues. C'est comme donner la canne à quelqu'un pour aller pêcher et lui refuser la meçon. Vous imaginez, vous vous asseyez quelque part pour pêcher, vous avez la canne, c'est long, vous avez toute l'infrastructure, mais vous n'avez pas d'hameçon. Même si vous restez là pendant 10 ans avec votre canne plantée dans la rivière, vous n'attraperez aucun poisson. Vous comprenez? Donc, c'est déjà bien de commencer. C'est pour ça que je ne dis pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien qu'il ne faut pas apprendre. Mais je dis qu'au niveau des pouvoirs publics, ça ne suffit pas de mettre les langues camerounaises au programme. Il faudrait que, si on fait une cérémonie officielle à Douala, que ce soit permis de chanter l'hymne national en langue Douala. Si on fait une cérémonie officielle à Bafoussam, que ce soit permis et officiel de chanter l'hymne national en langue Féfé. Après, maintenant, comment est-ce que tous les Camerounais font pour se comprendre? Bien sûr, là, on aura besoin d'une langue. Et pour ça, il faut que. Mais il faut pour cela que les Camerounais comprennent que le bassa n'est pas si beaucoup de l'Ewondo. Comptez ambassade 1 à 10, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas très différent de l'Ewondo qui fait 1 à 10. Donc, en fait, on parle tous. Les Camerounais sont toutes parentées entre elles. Et c'est seulement si tu comprends ta langue que tu peux. Accepter que la langue d'autrui ou alors la langue de ton frère ou de ta sœur soit la langue que vous avez choisie pour vous comprendre. Okay, donc l'unité du Cameroun doit reposer sur nos propres langues et non sur la langue des autres. Parce que sinon, c'est une unité qui est fragile. On le voit aujourd'hui avec la crise qu'il y a dans les régions Bakoueri. Merci, Madame Nadej Akama. Nous entrons dans la dernière ligne droite de cette émission. On espère aussi, grâce à cette plateforme, avoir présenté ce que vous faites, l'importance naturellement de la langue, des langues maternelles dans le système éducatif et de la science. Et l'idée que vous avez apportée, que je trouve très saluable, c'est que pour un début, peu importe où l'on se trouve, si c'est au nord, qu'un membre de l'administration, une personnalité arrive, si on doit chanter l'hymne national à IDEA, que ce soit en bassa, si on doit chanter ça en consamba, que ce soit en langue mbo, si on doit chanter ça à Douala, que ce soit en langue Douala, si on doit chanter ça au nord, que ce soit en Fufulbe, et je crois que ce serait déjà un grand pas. Disons comme ça. Alors, Madame Nadej, avant de clôturer, est-ce que vous avez quelque chose encore, un dernier message à passer à l'endroit de nos téléspectateurs ou une thématique sur laquelle vous auriez voulu bien qu'on discute et que on a oublié? Oui. Vous avez quelque chose encore à dire? On va juste passer le message aux personnes qui regardent. Nous avons plusieurs
proposition n'est-ce pas que nous faisons aux personnes qui sont intéressées à recommencer à parler la langue maternelle. Et il faut expliquer qu'en fait, ce Molan Challenge, on n'est pas forcément porté sur le contenu. Donc, ce Molan Challenge n'est pas forcément venir apprendre comment est-ce qu'on dit telle chose en bassa ou bien comment est-ce qu'on dit telle chose en voilà. C'est pas notre. Je veux dire, il y a les écoles de langue qui sont là pour ça. Mais Molan Challenge, c'est vraiment pour t'apprendre les techniques de reconquête une fois que tu as appris le contenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la grand-mère Bassa, qui connaissent le vocabulaire douala, qui savent comment construire les phrases, mais qui ne parlent pas. Malgré ça. Qui ont peut-être des blocages, qui se disent OK, moi je suis en diaspora, à côté de moi personne ne parle Bassa, personne ne parle Mendjumba, comment je vais faire. Donc on a des gens qui vont dans des écoles de langue, mais qui ressortent avec et puis un an plus tard, ça s'arrête dans les cahiers. Donc notre challenge, c'est pour ça que ça s'appelle Molan Challenge, c'est quoi? C'est de dire OK, pendant une semaine, nous allons te challenger tous les jours à faire quelque chose en ta langue maternelle. Par exemple, un exemple, on te dit, OK, première semaine, toutes les salutations que tu vas faire, ce sera seulement en langue, je ne sais pas, Fufulde. Ou bien, ça dépend de quelle langue tu as choisi. On dit deuxième semaine, tous les chiffres que tu vas rencontrer dans la journée, tu vas les lire exclusivement en la langue Fufulde. Troisième jour, on dit tout ce que tu vas poster sur les réseaux sociaux, ce sera seulement en langue Fufulde. Quatrième jour, on te challenge comme ça pendant une semaine. Et puis au bout d'une semaine, tu as un peu une idée de quelles sont les choses que tu peux utiliser pour rester en contact avec le Bassa, avec le Douala, avec le Mendjumba ou avec le Baram, je crois que c'est... Est-ce que c'est pas le Gomela ou bien c'est le Fefe? Je ne suis pas sûre. Donc on a ces différents challenges-là qu'on t'apprend. Et pour ça, on a un pour les enfants. Si vous allez sur miminyanga.com, nous avons au mois de novembre et de décembre de cette année des classes que nous allons faire où nous apprenons aux enfants de 5 ans à communiquer en différentes langues, dont le Lingala, les Wondo, le Fefe et le... C'est quoi la troisième langue? Le Swahili. Parce que pour les gens qui ne savaient pas, l'Union africaine a décidé que c'est le Swahili qui est la langue panafricaine d'échange. Donc chaque Africain doit apprendre le Swahili. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Que là où ils sont là, s'ils ne comprennent pas Swahili, s'ils ne parlent pas Swahili, s'ils sont un peu comme des illettrés. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas comprendre l'autre. Donc on a ce séminaire-là qui va se tenir en novembre et en décembre. Et nous avons encore, je crois, 10 ou 9 places en tout cas pour la version Ewondo, pour les autres versions il y a encore beaucoup de places. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans la Bavière et que les langues africaines intéressent, qui a un enfant, ce serait quelque chose pour lui. Sinon, allez sur bolanchallenge.com et puis inscrivez-vous à l'infolettre, parce que sur l'infolettre là, nous allons vous annoncer quand est-ce que les vidéos vont sortir, les vidéos que beaucoup de gens ont demandé par rapport à comment je fais pour accélérer ma langue, qu'est-ce que je peux utiliser et tout. Donc, inscrivez-vous sur l'infolettre bolanchallenge.com. Merci à Madame Akama et beaucoup de courage dans tout ce que vous faites. On espère comme ça qu'en novembre, nous allons passer dans les environs pour prendre quelques interviews des enfants qui auront appris de nouvelles langues maternelles. Alors, on va du côté du Canada où la connexion de Muriel est au top. Alors, Muriel, pour sortir sur cette émission, où est-ce qu'on trouve vos ouvrages? Comment est-ce qu'on peut faire pour les acheter? Et un mot de sortie ici avant de clôturer cette émission. OK, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Donc, mes livres, les deux premières nouvelles, la première nouvelle, La dernière pluie, et le roman Un bond dans l'inconnu ont été publiés chez Edilivre. Donc, c'est sur leur plateforme que les livres sont disponibles, il suffit d'aller sur edilivre.com et vous tapez mon nom et le titre des différents ouvrages. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes différentes pages de World Industry sur lesquelles vous pouvez avoir des informations.
En ce qui concerne le dernier, la deuxième nouvelle des Unruly Passenger, elle a été publiée en Allemagne chez Édition Assemblage. Donc, encore une fois, c'est vraiment sur leur page web que les livres sont disponibles. Et sinon, vous pouvez me contacter aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus d'informations. Je suis disposée à vous les donner. Ce serait un plaisir d'ailleurs. Et je voulais aussi ajouter que j'ai une page internet de World Industry, rienbenca.com, sur laquelle je publie des articles concernant qui contiennent en fait la des conseils littéraires, en fait, comment écrire son roman, quelles sont les astuces. Je parle aussi de différents je déconstruis aussi des œuvres que je lis pour comprendre un peu comment est-ce qu'un roman fonctionne, comment est-ce qu'on l'écrit. Et j'ai aussi créé mon entreprise, The World Industry, encore une fois, qui est un service d'accompagnement à l'écriture. Donc, d'ici juin, juillet, les cours seront disponibles en ligne. Donc, c'est ça. Non, oui. Vous pouvez vous abonner à mon infolettre pour avoir toutes les informations concernant la sortie de mes romans, etc. Si je peux me permettre d'interviewer pour un dernier truc qui m'est venu, si vous avez encore quelques minutes. D'accord. On a toujours quelques minutes. Alors, je crois que c'est par rapport à la question qui a été posée, je crois, il y a quelques temps. Il y avait quelqu'un qui demandait par rapport aux astuces et tout. J'aimerais, disons, en global, revenir un peu sur les erreurs que je vois en coaching, les gens qui viennent me voir, justement parce qu'ils sont bloqués par rapport à la langue maternelle, que ce soit pour la transmission aux enfants ou pour eux-mêmes. Ils font souvent cette erreur-ci. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire quand on choisit une stratégie. Il ne faut jamais choisir l'approche académique, c'est-à-dire qu'on est dans le bushing. C'est-à-dire qu'on est dans le bushing. Okay, on est dans l'emmagasinage d'informations. Ce que nous proposons, ou alors ce que nous conseillons avec la méthode Moulin Challenge, c'est que du premier jour, d'avoir l'intention d'appliquer ce qu'on apprend à partir du premier jour. Il ne faut pas attendre d'être super bon ou alors d'avoir écrit un doctorat en sa langue pour commencer à la parler. Beaucoup de gens font cette erreur. Du coup, ils se retrouvent avec un, deux, trois ans de cours de langue et n'ont jamais parlé la langue ou alors ils ne l'ont jamais pratiqué. Donc, la distance académique, c'est l'une des erreurs qu'on voit beaucoup de gens faire. Donc, en matière de stratégie, rester pragmatique. Même si je ne connais pas, par exemple, Muriel a dit tout à l'heure qu'en fait, Muriel, ce n'est vraiment pas un problème parce que ce qu'on te conseille avec Moulin Challenge, c'est de commencer avec les choses très simples, ce qu'on appelle en Moulin Challenge les 7 bases. Les 7 bases, c'est quoi? Tu sais comment on dit bonjour en bassa, n'est-ce pas? Je crois. Donc, il y a des petites choses comme ça que tu sais en bassa. Donc, tu sais comment on compte de 1 à 10 en bassa. Tu sais comment on dit vraiment les choses basiques. Et prendre ces choses-là et les inclure déjà dans ton quotidien. Donc, j'ai une amie à moi qui était super sceptique par rapport à cette approche. Et puis, un jour, on a commencé à dire, chaque fois que tu vas coucher ton enfant, au lieu de lui dire bonne nuit, dis-lui juste Mbembalou, c'est quoi, c'est bonne nuit en éoulé. On a commencé par ça la première semaine. Vous savez ce qui s'est passé au bout d'un mois, l'enfant a commencé à répéter le Mbembalou. Alors qu'elle ne connaît pas plus que ça. Mais son enfant a commencé à répéter sa langue. Après, je lui ai dit, chaque fois que tu vas réveiller l'enfant le matin, ne fais pas comme tu fais d'habitude. Puisque tu ne maîtrises pas ta langue, prends un morceau d'un chanteur que tu aimes bien, peut-être un petit refrain, et tu réveilles l'enfant avec ça. Elle fait pareil, au bout d'un mois, l'enfant se met à mimer le refrain. L'enfant commence à chercher comment on prononce les paroles. C'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est ça
que j'ai dit de laisser le côté académique et d'être vraiment dans le faire, dans la reconquête, parce que la personne qui cherche à reconquérir une langue a un autre mindset que quelqu'un qui apprend. Le français, pas apprendre une langue. Ils n'ont pas un passé de coloniser. Mais nous avons des passés de coloniser. Donc, on est venu nous imposer le français. Donc, pour reprendre nos langues, apprendre ne va pas suffire. Il faut reconquérir. Il faut avoir des stratégies de reconquête. Et ça, c'est une stratégie de reconquête que je suis en train de vous donner là, c'est-à-dire être dans le pragmatisme. Je sais dire bonjour, OK. Je dis bonjour maintenant à ma langue. En commençant par même les membres de ma famille, si le faire dehors, c'est dur. Je commence par mon enfant, je commence par mon mari, je commence par une amie qui est bienveillante et qui ne va pas se moquer de moi parce que c'était une honte. Voilà. Et puis, dès que ça marche, j'ajoute autre chose. J'ajoute un enfant que je connais bien. Et en un temps de mouvement, en 6 mois, en un an, vous avez conquis tout le monde et vous-même par la suite. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est ça que je vous conseille. Alors, merci. Déjà, il faut être pragmatique, comme on vient de l'écouter, de notre invité à Madame Akama, Madame et Monsieur, ça a été un réel plaisir de vous avoir nombreux devant votre petit écran. Je tiens ici à dire également merci aux deux invités, à Muriel et Nadège, qui ont comme ça pris 2 heures de leur temps pour nous expliquer ce qu'elles font. On espère aussi également demain vous recevoir sur ce plateau comme entrepreneur ou entrepreneuse. Avant de clôturer cette émission, je vais passer un bonsoir à Monsieur Yvon Trésor du côté de Phare qui nous regarde, l'un de nos fidèles téléspectateurs, à Hélène Lydie qui est également connectée, à Rebecca Bell qui nous a envoyé un coucou, à Ngombek qui était également là, connectée aux membres de la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne, au docteur Stéphane Kemao qui a reçu mardi dernier le prix de la diversité, dont les Camerounais continuent à braver des échelons, les Camerounais continuent de la diaspora continuent à montrer qu'ils sont compétents et savent faire de bonnes choses. Alors, avant de clôturer, madame, monsieur, vous allez regarder cette vidéo de Muriel Ben pour clôturer, mais nous ne reviendrons plus sur ce plateau. Juste un film d'elle qu'on a tourné il y a de cela pratiquement, je crois, 2 ou 3 ans, quand elle était plus jeune. Alors, madame, monsieur, bonsoir. Passez une très belle soirée, belle fête de la Pentecôte et au revoir. Après avoir obtenu son baccalauréat en série A4 allemand au collège Liebermann à Douala, Muriel Ben va poursuivre ses études au Sénégal, précisément à l'Institut des langues étrangères appliquées de Dakar, où elle obtient une licence en management touristique. Passionnée tant bien par la lecture que par l'écriture, un don qu'elle hérite de ses parents. Sinon, ma mère est une femme passionnée de lecture et justement, mon amour et ma passion pour la lecture viennent d'elle. À la maison, nous avons une armoire de livres et je les ai tous dévorés. Et c'est de là qu'est devenue ma passion, en fait, aussi pour l'écrire. C'est lors d'un voyage au Cameroun, dans sa ville natale, Douala, que Muriel Ben va être sidérée par de nombreuses rumeurs relatant le meurtre d'une jeune fille. D'où son inspiration pour son premier ouvrage, publié en 2013, La dernière pluie. En fait, il s'agit d'une nouvelle qui a été publiée chez Eddy Livre et il a été inspiré d'une histoire réelle. En fait, quand je vivais à Dakar, je suis rentrée au Cameroun et lors de mon séjour, c'est des vacances, des grandes vacances, j'ai entendu parler d'une histoire relatant le meurtre d'une jeune fille qui était assassinée par son copain. Ambitieuse, courageuse, forte, elle va prendre la lourde décision de poursuivre ses études en Allemagne, à la Philippe Université Marbourg. Confrontée par plusieurs problèmes dus à ses origines, elle ne restera pas indifférente et décide une fois de plus de se mettre à l'œuvre,
d'où son second ouvrage. Justement, la deuxième nouvelle est parue dans un recueil de nouvelles intitulé Winter Short. En fait, c'est un recueil de nouvelles de différents auteurs noirs vivant en Allemagne. Et l'idée était que les auteurs racontent leur expérience de discrimination en Allemagne. Donc, dans mon roman, je me suis inspirée de ce que mes amis m'ont raconté. Je me suis inspirée de ma propre histoire ici en Allemagne, justement de discrimination, en fait, des expériences que j'ai faites en tant que noire. L'amour pour l'écriture est devenu au fil des années un rituel et la nature sa source d'inspiration. Donc, le matin, en fait, quand je me lève, j'essaye de... je médite, je lis et généralement, j'écris toute la journée. J'écris toute la journée, mais pour les sujets créatifs, je préfère écrire le matin. Très affectée auparavant par la critique, elle la considère aujourd'hui comme des mots d'encouragement. Il faut qu'aujourd'hui encore, j'ai des craintes en fait. J'appréhende beaucoup les réactions des lecteurs en fait, parce que pour moi, ce n'est jamais assez parfait, ce n'est jamais assez bien. À chaque fois, aujourd'hui, quand je relis chacune de mes œuvres, je me dis toujours, j'aurais pu écrire ça autrement, j'aurais pu reformuler ceci, j'aurais pu présenter d'autres aspects de mon livre. Je reçois des critiques au moment de la réédition de mes œuvres, quand je les propose à ma cousine ou à mes copines pour la relecture, elles me font des critiques. Je dois avouer que ça fait assez mal en fait, mais j'essaye de prendre ça d'une manière posée et de me dire ok, c'est pour mon bien, c'est pour que l'œuvre soit parfaite en fait. Approchée sous la question relative au système éducatif camerounais et son auteur préféré, elle aura donné son opinion. J'aime bien Leonora Miano. J'ai aimé son livre La saison de l'ombre. J'aime aussi Chimamanda Ngozi Adichie et Amadou Ampateba. Je pense de prime abord au système éducatif camerounais que je trouve assez extraverti. On apprend plus des autres cultures que de notre culture. Je serais ravie si à l'école nous pouvions lire des œuvres d'auteurs africains et d'auteurs camerounais. C'est en 2016 qu'elle va publier son troisième ouvrage, Un bond dans l'inconnu. C'est un roman d'amour dans lequel avec un fond de quête personnelle, dans lequel le personnage principal, jeune demoiselle qui vient de s'installer à Dakar, doit apprendre à s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est au travers et au-delà de sa relation amoureuse avec Monsieur X. Muriel Ben, l'exemple d'une diaspora forte et entrepreneur. Ici Billy Prout, correspondant Canal 2, Allemagne. Après avoir obtenu son baccalauréat en série A4 allemand au collège Liebermann à Douala, Muriel Ben va poursuivre ses études au Sénégal, précisément à l'Institut des langues étrangères